Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, c'est notre 26e séance, on est dans la 9e semaine. Aujourd'hui, on va travailler le yoga avec une nouvelle position, une petite variation. Et pour la partie HIIT, on va travailler essentiellement le cardio et le gainage. Voilà, allez, on est parti. On s'assoit en tailleur. Je regarde bien devant, laissez bien les épaules en arrière et vers le bas et tirez la tête vers le haut pour vous grandir au maximum. Respirez profondément. À votre rythme. J'inspire, expirez, montez les bras, inspirez, maintenant expirez, tirez vers le bas et l'arrière des coudes, restez ouvert, essayez de rapprocher les omoplates derrière. Restez bien le buste ouvert. Et je relâche. Tirez les épaules doucement vers l'arrière. Remontez, inspirez. Tirez vers l'arrière une fois. Attrapez les doigts et poussez. Comme si vous aviez un plafond au-dessus de la tête. Poussez les mains vers l'avant, arrondissez le dos. Montez. Inspirez. Et on recommence. Poussez vers l'avant. Ouvrez bien le dos, le buste et les épaules. Inspirez. Je relâche et je viens en table. Mains et pieds à terre. Décollez les genoux. Et je repousse chien tout en bas. Les bras sont tendus, les jambes aussi. Ouvrez. Les épaules progressivement, allongez le dos. C'est une souplesse globale. Ouverture des épaules. Allongement du bas du dos. Les jambes sont tendues, les chevilles sont relâchées. Et je respire calmement. Je vais en planche. Et je freine la chute. Je décolle, cobra. Levez les mains, tirez les épaules, relevez le menton. Et je relâche, chien tête en bas. Allez, profitez, c'est la deuxième fois qu'on fait cette position. On peut aller un peu plus loin. Levez la jambe droite, chien trois pattes. Et je passe fente avant. Jambe arrière tendue. Je ramène le pied gauche, pied joint. Relâchez la tête et les épaules. Montez, inspirez. Et je plonge. Je mets les mains à terre. Je saute.
planche avant, je descends, montée, chien tête en haut. Et je repasse chien tête en bas. Montez la jambe gauche, chien trois pattes. Et je passe en fente avant. Jambe gauche devant, jambe arrière tendue. Et je ramène pieds joints. Montez, inspirez. Plongez. Allez, je reste en bas détendu. Déposez les mains à terre. Essayez de passer en grenouille ou en corbeau. Équilibre sur les mains. Et je repasse en planche. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Allez, on pousse bien en allonge. Chien trois pattes, levez la jambe droite. Et je passe en fente avant droite. Je garde la main gauche à terre. Torsion. Levez la main droite, je regarde vers le haut. Gardez bien la jambe arrière tendue. Essayez de corriger la position pour être perpendiculaire au sol. Les bras alignés. Je garde cette position, je regarde vers ma droite. Et je me redresse. Fente avant avec torsion. Je reste. Travaillez bien au niveau des abdominaux. Vous levez la main gauche. Avec la main droite, vous cherchez la jambe arrière. Essayez de cambrer tout en gardant une belle fente avant. Je relâche. Position du guerrier, la main droite est devant. Bien forte, montez la main droite, il n'y a pas de torsion ici, hein. Et je descends, fente avant, jambe arrière bien tendue, je ramène le pied gauche, pieds joints, je relâche bien la tête et les bras, montez les bras, descendez sur les talons, en chaise, allez, je descends un peu plus bas, bras vers l'arrière, inspirez, bras en l'air, tirez bien les bras au-dessus, allez, j'expire, inspirez. Et je relâche, tête en bas. Allez, je mets les mains et je reviens en planche. Je descends. Chien tête en haut. Et je repousse, chien tête en bas. Je lève le pied gauche, chien trois pattes. Et je passe, pied gauche devant, fente avant, main droite à terre, levez la main gauche, torsion du buste. Je
Je garde la torsion à gauche. Je me redresse. Levez la main droite. Gardez la torsion. Cambrez un peu le dos. Gardez une fente avant autant que possible. Relâche, guerrier. Main gauche devant, fente avant. Alignez vos bras. Regardez le long de la main gauche. Allez, je monte la main gauche. Et je relâche. Fente avant gauche. Jambes arrière tendues. Je joins les pieds. Relâchez la tête et les épaules. Montez, inspirez. Relâchez les bras. Alors, c'est parti. Je croise le pied gauche. Hop, équilibre de base. Décidément, depuis lundi, je vais faire l'équilibre. Hein? Allez, c'est pas très grave, on descend. On reste. Si c'est possible, j'appuie les mains à terre. Je dépose le tibia sur mes deux bras. Et je me décolle du sol en pigeon volant. En chaise, calmement. Je garde l'équilibre. Main jointe. Et je reviens. Cool. Inspirez un bon coup. On va croiser le pied droit. Ok. Là, ça va mieux. Hein? Je descends. Ceux qui veulent tester, on prend appui à terre, on dépose le tibia sur les deux coudes et je reste en équilibre. Voilà, magnifique. Je repasse en chaise sur une jambe. Bien s'équilibrer. Et je relâche. Ok. J'ai été piqué par un moustique. Montez, inspirez. Allez, j'expire, je descends. On écarte les pieds, largeur du tapis ou des épaules. On descend. Mets en prière. Appuyez bien. Coude sur les genoux. Tirez le dos, déposez la main droite à terre et on fait une belle torsion. On reste. Je reviens, les mains jointes. Allez, bien ouvrir le bassin. Tirez le dos. Respirez correctement. Main gauche à terre. Ouvrez le bras droit.
Restez bien ouvert, hein. Et je reviens à droite. Relâchez. Place debout. Relâchez la tête et les épaules. Très bien, planche. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Genou à terre et je passe sur le dos. Pieds à plat, les mains derrière, les doigts orientés vers les oreilles et on va monter en roue. Ok? Allez, c'est parti. Essayez de tendre progressivement les bras. Tendre aussi les jambes, mais chacun selon ses possibilités. Et je relâche doucement. C'est de relâcher le bas du dos. Reposez-vous bien à plat à terre. Lâchez un peu les poignets aussi, n'oubliez pas que les poignets ont travaillé. Et on est reparti. Allez, on fait la roue. On pose les mains, on pousse. Vous pouvez essayer de d'éloigner un tout petit peu les pieds cette fois-ci pour essayer de tendre les jambes. Respirez, je relâche doucement. Il y a les doigts plats, relâchez. Relâchez vos poignets aussi. Alors, on va rapprocher les plantes de pied. Laissez tomber les genoux en papillon. Bien relax. Voilà. Je laisse tomber les genoux. Ne forcez pas. Vous pouvez serrer un peu les fessiers si vous voulez descendre plus bas. Ok, donc bien. Assis. Et je refais la mèche. Et je vais maintenant pousser mains et pieds. Table inversée. Je pousse. Voyez le bassin le plus possible et je peux essayer de relâcher la tête tout en maintenant le nombril bien haut. Étirez bien vos épaules, inspirez, remontez un peu plus haut et je reviens assis, plante de pieds jointes, laissez un empan d'écart, allez vers l'avant. Grandissez-vous, essayez de basculer le ventre vers le sol. Quand vous arrivez plus ou moins à votre limite, l'étape suivante, c'est d'aller déposer, arrondir le dos. Jusqu'à peut-être déposer la tête sur les pieds. Je vais bien vers l'avant. Toujours bien respirer pour se relâcher. Je relâche, je reviens genou joint, je reviens dos à terre, attrapez les deux genoux, tirez-les vers le sol, gardez la nuque allongée, épaules dans le sol, bas du dos à terre, on profite de ce moment.
Attrapez le genou droit, tirez au maximum à la poitrine, la jambe gauche est tendue. Et ouvrez les bras, rotation. Le genou droit va vers la gauche. Gardez bien les bras ouverts, l'épaule droite à terre, essayez, genou droit à terre. Ça, c'est la position maximale. Je relâche. Tirez genou gauche. Tire au maximum. Et je vais déposer le genou gauche à droite le plus loin possible. Gardez bien le buste en rotation, deux épaules à terre si possible, genou gauche à terre, épaule gauche à terre, rotation du buste. Et les jambes bien. Je prends ma distance pour faire la charrue, les pieds loin derrière, allongés. Et je relâche doucement. Attrapez les genoux. Bien tirer le dos. Bien tirer la hanche. Les épaules au contact du sol. Et je relâche pour revenir ici. Donc voilà, comme vous voyez, il y a toujours possibilité de mettre des variations. Il y a des variations qui vont rendre les exercices plus difficiles parce que dès le moment où vous n'avez plus d'étirement comme ceci, par exemple, là je tire l'épaule, je ne sens plus rien. Vous pouvez accentuer en regardant, vous pouvez accentuer en forçant à l'opposé, vous pouvez accentuer en ajoutant une rotation du bras, ok, ou même de la main, et donc on peut continuer l'étirement. Imaginez un torchon, vous le tirez et puis vous le tordez, et donc l'étape suivante, en fait, pour progresser en yoga, c'est de continuer à travailler une position et d'inclure des torsions. Donc voilà, cool, ça va aller. Je prépare le chrono. Je n'en ai pas besoin aujourd'hui, c'est une séance non-stop. Vous allez voir. On est prêt? Bon. Échauffement normal, un peu différent peut-être. Et après l'exercice, je pense que ça va me faire plaisir, vous allez voir. On y va. 10 squats avec étirement. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Essayez de bien aller en bas. 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6. 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, 9, 2, 3, 10, 2, 3. Bien. Position, on l'a déjà fait, c'est l'avion. On dirait plus un aigle dans mon imaginaire. Je vais lever. Tirez le talon et je reviens. Je lève et je reviens. Ok, parallèle au sol, bien levé, bras et jambes. C'est parti. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 10. Sur les coudes. Et on va décoller 20 fois les talons à la fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Ok. On vient s'asseoir pour se coucher sur le dos. Et on va travailler avec une seule jambe. Je lève et je monte 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on change de côté. Prêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien. On a déjà fait il y a un certain temps. Je vais toucher la pointe de pied opposée. Ok ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Celui-ci, on l'a fait il y a certain temps aussi. Portefeuille, demi-portefeuille. Sans reposer les pieds à terre, on va essayer d'en faire 20. Ok ? Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Ok. On est debout. Ceci est un peu nouveau. On ne l'a jamais fait. C'est comme un skipping. Et imaginez que vous commencez avec une seule jambe. Donc, votre jambe gauche reste tendue. Vous levez droite et droite. Mais il faut quand même lever. C'est pas ceci. Ça, on l'a déjà fait. Ici. 1, 2, 3. Vous voyez, je garde une jambe tendue, mais elle se lève du sol aussi. 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, l'autre côté. Ça donne. Je lève gauche, tendu. Fléchi, tendu. Fléchi, tendu. On essaye. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 skipping, comme on l'a toujours fait. Bien veillé à monter les genoux un peu plus haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, 20 squats sautés. Les demi-squats, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le 8. Marche un petit peu, décontracté. Cool, hein? Allez, 25 pompages, chacun son style. Prêt? C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, 22, 23, 24 et 25. Secoue un petit peu les jambes. Secoue un peu les mains. La tête sans conduction. L'autre sens. Les bras vers l'avant. À l'arrière, passez la circonduction, l'autre sens, genoux vers l'intérieur, l'autre sens, sautez un petit peu, voilà. Donc j'ai pris le temps de bien vous échauffer parce qu'on va faire de grandes répétitions cardio-gainage et je ne voudrais pas qu'avec les chocs vous fassiez mal. Okay? On n'a que deux exercices, gainage-saut, ça c'est le premier, et le deuxième c'est skipping. Okay? Donc en soi c'est très facile. Et on va faire 40, 30, 20, donc 40 sauts, 40 skips, 30 sauts, 30 skips, 20 sauts, 20 skips, le tout fois 2, donc on aura 6 rounds en tout et il n'y a pas de repos. Donc je vais me permettre, ben ça je peux le laisser là, il ne gêne pas le chrono, il est là, et moi je travaille à même le sol, parce que j'aime bien la réactivité, mais je suis vigilant quand je descends à terre de ne pas taper à chaque fois. Chaque petit coup, c'est un traumatisme. Donc ne tombez pas lourdement à terre. Ou alors faites-le sur tapis pour amortir un peu. Qu'est-ce que c'est une bonne option? On y va? On se motive. On va être dégueulasse hein, parce qu'il fait chaud, il fait humide. Donc on va transpirer fois 2. C'est comme ça, c'est moi, c'est l'ambiance qui est comme ça. Allez, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4,
ça. 6. 7. 8. 9. 30. Ah. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 40. Skipping. Ah. On y va, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 20. Encore. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 30. Allez, skipping. Six, seven,
8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, allez, courage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, skipping, 1, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, courage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, skipping, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, c'est le dernier, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, skipping, 올해 마르쉐 리스피게. Musculairement, ça allait. Au niveau du cardio, on était bien dans le rouge, hein. On récupère un petit peu et on termine avec
15 pompages. Allez, marchez. Oh. Yes. Ça fait du bien et ça fait du mal. Allez. Marchez un petit peu encore. Quand vous serez mieux entraîné, que vous aurez perdu encore un peu en graisse, vous allez récupérer plus vite et monter moins facilement dans les pulsations. Le gras, c'est l'ennemi numéro 1 de l'endurance. Tous ceux qui font beaucoup d'endurance, un marathon, ils sont comme ça. Bon, on y va? Allez, 15 pompages, proprement. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Bon, moi je vous dis au revoir. Rendez-vous ce vendredi. Les choses sérieuses, je pense que vous les sentez, hein. Là, ça devient du lourd. Allez, courage pour la suite.